Autorisé approche visuelle, Global Freightways 397 Heavy. Ça y est, on est autorisé pour l'approche. C'est la piste qui se trouve à environ 10 000 nautiques droit devant nous. On a dévié à droite, corrigé à gauche. L'axe de la piste est de 350 degrés. Sortez le train d'atterrissage. Réglez les volets sur 20 et enclenchez les aérofreins. Réduisez les gaz et ralentissez à 155 nœuds lors de la descente vers la piste. Global Freightways 397 EV, contactez la tour. Contactons la tour, Global Freightways 397 EV. Tour de Quito, Global Freightways 397 EV, on a visuel piste 3-5. Global Freightways 397 EV, le vent du 340 pour unité 5 nœuds, piste 3-5, autorisé atterrissage. Réglez les volets sur 30 et maintenez 155 nœuds. Autorisé atterrissage, Global Freightways 397 EV. Checklist d'approche finale. Réglez les volets sur 30 degrés. Train d'atterrissage, sorti. Aérofrein, enclenché. Checklist d'approche finale terminée. Global Freightways 397 EV, bienvenue à Quito. Tournez à gauche quand vous le pourrez et roulez jusqu'à la porte. Global Freightways 397 EV. Bel atterrissage, commandant.